Coucou, c'est Alice pour t'aider à acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, ça va mieux. Je n'ai plus mal à la gorge. Je peux parler normalement. Et je vais te raconter l'histoire d'une petite fille. Il y a une petite fille qui s'appelle Pauline. Pauline, ça s'écrit P-A-U-L-I-N-E. Pauline est petite. Ce n'est pas une femme, c'est une fille. Et elle a 4 ans. Elle peut parler. C'est une petite fille. Pauline pose beaucoup de questions. Elle pose beaucoup de questions à sa maman parce qu'elle a 4 ans. Elle est petite. Alors elle pose beaucoup de questions à sa maman. Sa maman? Sa maman, elle est grande. Elle est beaucoup plus grande. C'est une adulte, c'est une femme. Et donc, sa maman, la maman de Pauline, a un téléphone. Elle a un téléphone portable. Et Pauline, elle pose beaucoup de questions à sa maman. Pauline voit le téléphone de sa maman. Alors Pauline demande à sa maman. Elle demande, Maman, à quoi ça sert le téléphone? À quoi ça sert, maman, le téléphone? Et la maman de Pauline répond, Le téléphone, ça sert à téléphoner, ça sert à appeler, Pauline. Une autre fois, la maman de Pauline boit un café. Elle a une tasse dans sa main. Elle boit un café. Pauline, elle voit la tasse de café. Pauline voit que sa maman a une tasse de café. Alors, elle demande à sa maman, Maman, à quoi ça sert une tasse? Et la maman de Pauline répond, Une tasse, ça sert à boire. Ça sert à boire le café, par exemple, Pauline. Et une autre fois, il y a la cage. Il y a une cage pour le hamster. Il y a une cage. Et Pauline demande à sa maman. Pauline voit la cage. Elle voit la cage. Et elle demande à sa maman. Maman, à quoi ça sert la cage? La maman regarde la cage. Elle est vide. Où est le hamster? Elle est vide, le hamster n'est pas dans la cage. Vite, la maman regarde partout. Où est le hamster? Le hamster a disparu. Non! Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Et toi? Est-ce que tu veux expliquer dans les commentaires à quoi ça sert
un objet particulier que tu aimes peut-être, un objet spécifique. J'attends de lire tes commentaires. À bientôt!